Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de cette carrière MotoGP 22. Alors, avant-dernier épisode de cette saison, on se dirige vers le Grand Prix de Sepang, vous le savez, Grand Prix que j'adore, enfin circuit que j'adore, c'est un circuit que je kiffe vraiment bien, mais un circuit qui peut facilement être piégeux, enfin comme beaucoup de circuits cela étant, mais... Je suis confiant. Dessus, je suis confiant. C'est un circuit que j'aime bien, un circuit que je maîtrise plutôt bien dans l'ensemble. Donc normalement, ça devrait le faire. Il y a juste vraiment l'entrée du dernier secteur où j'ai toujours un petit peu de mal. En fait, aussi la phase juste avant la première des deux lignes droites. Je suis toujours un petit peu en délicatesse, freinage sur l'angle, sur la droite. Donc, jamais évident pour moi, je trouve, mais voilà, on compense avec le reste du circuit. Il va falloir faire attention au tout dernier virage aussi qui, on le rappelle, dans le jeu est un petit peu buggé. Voilà, donc dans ce virage-là, alors c'est le virage combien? Je sais jamais celui-ci. C'est le... Je sais pas. Ouais, au prochain virage, donc qui est le dernier virage du circuit, on sait qu'on peut pas prendre trop d'angle. Pourquoi le pilote auto n'avance pas? Ok, c'est pas grave. On sait qu'on peut pas prendre trop d'angle. C'est un petit peu buggé ici, vous allez voir. Je vais vous montrer, alors on va essayer bien sûr de ne pas postillonner sur l'écran, ça serait bien. Voilà, ici vous voyez là, je peux pas prendre trop d'angle et une fois qu'on sort en fait, je vais accélérer un peu pour vous montrer, une fois qu'on sort du virage, hop, là on peut prendre plus d'angle. Là en fait on est limité en angle, on peut pas vraiment tourner. Alors ça c'est un bug du jeu, je sais pas trop pourquoi. Ça fait ça sur pas mal de virages, donc ça le fait ici, ça le fait à Portimao, ça le fait à Catalonia aussi, donc... Donc bon voilà, c'est un bug qui est un peu bizarre, mais faut faire avec. En fait, on peut pas prendre trop d'angle et on est un peu large. Donc il faut composer avec. Et en attendant, nous on y va, mesdames et messieurs, on part pour eh bien aller chercher une Q2 directement à Sepang. C'est l'objectif ici. Ouais, et ben j'ai bloqué, j'ai un peu trop bloqué la roue arrière. On va pouvoir freiner un poil plus tôt ici, on arrive à reprendre un petit peu la corde, mais bizarrement, et dans le virage 2, ça passe. Un petit peu large ici. Ah, je fais toujours attention aussi à ce virage 4, où on peut facilement être poussé vers l'extérieur. Faut rester concentré. On joue le titre face à Fabio Quartararo. Je vous rappelle, Fabio est tombé au Grand Prix précédent. Il est tombé à Phillip Island. On a profité pour aller chercher une victoire et glaner des points. Et bien mathématiquement, on peut être titré ici même. Si Fabio vient à tomber et ne marque pas de points, on sera sacré champion du monde ici. C'est notre première balle de match, Sepang. Ça faudra déjà qu'on commence par faire un bon tour. Là le tour est pas terrible. Non, le tour est vraiment pas terrible. Je suis en galère totale. Oh là, mais je suis en galère totale là sur le tour. Ça passe pas en Q2, c'est sûr à 100%. Hein. Peut-être le soft arrière qui était peut-être pas une bonne idée ici. On va peut-être plutôt essayer de faire des qualifs avec un médium arrière. Ouais, je pense que ça sera mieux de faire comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire les qualifs avec un médium arrière. Allez, une 59-579. Je pense pas que ça passe, honnêtement. Mais non, c'était sûr. C'était sûr, on est même dernier, hein, tout simplement. Ah non, même pas. On a une seconde deux. Bon, on est loin. Non, c'était sûr. Le tour était un peu catastrophique, honnêtement. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais c'était un peu compliqué. Alors, on va repartir du coup sur un pneu soft avant 9. Ah oui, 50 degrés sur la piste, ouais. Mais je vais partir plutôt sur un. Ouais, lui, il conseille un hard. Non, le médium ira. Je pense ça ira. Le temps d'un tour, ça ira. Et d'ailleurs, le temps de la course, je vais voir comment il va se comporter juste sur un tour et comment il va chauffer. Mais il y a de grandes chances que je parte quand même sur le médium pour la course. Après, peut-être, qui sait, peut-être qu'on optera pour un hard pour la toute première fois. Mais le pilotage auto, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable, le pilotage auto dans le jeu. Hop là, il m'a déjà fait, il m'a déjà fumé mon pneu arrière. Le pilotage auto qui a burné avec mon pneu arrière. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu.
Je vais quand même continuer de chauffer mes freins. Allez, c'est bon, ouais. Bon, j'ai chauffé un peu mes freins quand même. Non, mais incroyable. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, pour cette Q1. Il faut absolument qu'on se qualifie bien. Et on va observer aussi le comportement de ce pneu arrière. Paul Espargaro juste devant moi, je crois. Absol avec un casque bleu. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, il réagit bien, il est précis, le pneu. Dans les phases de gros virages, ouais, il chauffe quand même un petit peu. Ah, si on passe en Q2, à la limite, j'essaierai le hard à l'arrière, voir comment il se comporte. Il chauffera forcément moins, mais... Ah, et là, il chauffe quand même pas mal. Mais il refroidit bien. Cela étant, il refroidit bien. Je peux emballer ici. Ah, il chauffe quand même pas mal, hein, ce médium. Revenu là sur Paul Espargaro. Ah, dommage. Le virage 12 était bien négocié. On voit là, il y a la corde, hein. Franchement, on l'a. Mais c'est la sortie qui était un peu plus compliquée. La relance, je vais utiliser mon rewind ici. Va falloir faire attention à pas se louper dans la fin du tour. Non, on va partir dernier. Alors là, ça va être intéressant d'observer une fois passé la ligne si le pneu est toujours à des grandes températures ou non. Freine très tôt pour Paul Espargaro. Ouais, ok, bon il est dans des assez bonnes températures, le pneu. Normalement, on passe en Q2 avec ça. Oui, on passe en Q2, mesdames et messieurs, on a fait un bon tour. Mais c'est le moment de tester le hard. C'est le moment de tester le hard. On sait que le médium, c'est la première fois que je fais un test aussi poussé, entre guillemets. Le soft avant, vraiment, il se comporte bien. J'ai envie de tester un médium avant et un hard arrière. Alors, combo un peu particulier, mais pourquoi pas après tout. Pourquoi pas, on va voir sur un tour comment ça va se comporter. Et je pense qu'on peut peut-être partir là-dessus pour aller jouer la gagne. Parce que là, le soft, c'est sûr que ça passe pas. Le soft médium, ça me paraît compliqué pour la durée de la course. Peut-être que le médium hard peut passer. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Notre avant-dernière Q2 de la saison. Ou peut-être la dernière. Une des deux dernières Q2 de notre saison. Je pense si on se loupe totalement à Valencia ou non. Allez, on va observer comment va se comporter les deux pneus. Mais on va aussi aller chercher ce tour de Q2. Déjà, c'est stable. Hein. Honnêtement, c'est stable sur la phase de freinage là. Il y a du grip. Hein. Oh, je suis étonné même. Le hard arrière se comporte extrêmement bien. Je peux vous dire qu'il y a du grip là sur le hard arrière. Hein. Plus que sur le médium. Pour la simple et unique raison qu'il chauffe moins vite. Donc il reste dans des bonnes températures quand on est à la phase d'angle et à la phase de réaccélération. Et ça se sent immédiatement. Oh, ça se comporte extrêmement bien. Alors oui. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit peu de... Un léger sous-virage, mais qui peut être compensé, je pense, par le pilotage. Alors là, c'est moi qui me suis totalement loupé, donc je vais utiliser mon rewind. Mais ça se comporte très très bien, là, le hard derrière. Je suis très surpris, agréablement, bien sûr. J'utilise déjà un rewind, enfin mon rewind, parce que je n'en aurai qu'un. Attention, on y verra quand tu vas revenir sur la piste. Pas vraiment, fais attention. Oui, ouais, voilà, il y a un léger sous-virage en entrée et en sortie qu'il va falloir combler par le pilotage, mais à part ça, honnêtement, ça se comporte vraiment bien. Alors, on aurait peut-être pu le combler par,
par des réglages, mais non, non, là ça, ça matche bien. Ouais, bah là c'est moi qui me suis totalement loupé. Et ça, ça peut peut-être me coûter le tour de la Q2, on verra bien, mesdames et messieurs. Et j'espère pas, je pense que le tour était assez bon dans son ensemble. Si on tombait, on n'avait pas d'autre rewind, donc ça aurait été catastrophique. Allez, on passe la ligne, 1.59.0, oh, c'est loin, 1.59.0, oh oui, ça nous met très loin, mesdames et messieurs, ouais, on a été vraiment pénalisé là par le virage où je vous ai dit, dès qu'on met de l'angle ici, ça devient un peu compliqué. Ouais, on a été pénalisé, et ça s'est instantanément senti. Bon, c'est pas grave, on part 12ème, on peut quand même faire des choses, j'en suis certain. On va charger les réglages qui nous conviennent toujours bien, honnêtement. Et on va partir sur un médium avant et un hard arrière. Je vais opter pour ce choix-là en course, je pense que c'est le meilleur choix. C'est un choix très compliqué à faire pour moi parce que je n'ai jamais, il me semble, roulé avec un médium avant, ni un hard arrière, en MotoGP. Je crois même dans les autres catégories, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà roulé avec une combinaison pareille. En tout cas, le hard, c'est sûr que non. Mais on va essayer de faire au mieux. Rémi Gardner, 24ème. Et on va passer à l'interview. C'est dommage parce qu'on a fait un excellent tour en Q1. Et encore une fois, la Q2, ça, voilà, ça a pas trop matché dû à une erreur. Par contre, on a pu tester une combinaison médium avant hard arrière qui a vraiment bien marché pour le coup. En tout cas, sur un tour. Ça va être la grande surprise à savoir si ça tient pour une course. Il va falloir la jouer intelligemment et ne pas trop forcer quand même. Là, le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée dans le top 3. Et sur ses roues, c'est tout. Allez, le sort, on est jeté. La Meselite à l'extinction des feux. Je partirai 12ème. C'est Bagnaia, Quartararo, Zarco, Bastianini, Mir et Rins qui sont sur les deux premières lignes. Il va falloir tout donner. Le titre se joue également ici. Première balle de match pour moi. Les pilotes ont pris place sur la grille. Et Pico... Et à l'extinction des feux, on va pouvoir tout donner. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette avant-dernière course. Allez, encore... Oh oui, d'accord, j'ai voulu freiner en même temps qu'eux, mais ils ont freiné très tôt. On départ quand même, on est 5ème, il y a Joanir à l'intérieur. Un petit peu loupé là, oui, avec Bastianini également. Pourquoi l'IA n'avance pas là? Regardez, je n'accélère pas. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais là je n'accélérerai pas. Pourquoi l'IA n'avance pas? Vous savez quoi? Je m'en fous. Je vais suivre l'IA un peu comme ça. Parce que j'ai pas envie de me retrouver devant tout seul à. Même si pendant un tour ça doit être un peu galère, c'est pas grave. Désolé pour l'immersion, elle est totalement cassée avec ça. Croyez-moi que si je pouvais faire autrement, j'aimerais bien. Je vais suivre l'IA et je vais pas la dépasser pendant un ou deux tours. Jusqu'à ce qu'elle se mette à vraiment accélérer là. C'est trop chiant ce truc là. Oh, petit contact avec Johan. Allez, on reste bien sur ses roues. Tente une attaque sur Johan. Ouais, oui, j'ai un peu trop freiné. J'étais un peu trop à l'intérieur. Je me suis dit, ça tournera pas. Johan en a profité là alors que Quarta essaye d'attaquer devant Bagnaia. Bah, attention, Mir qui est incisif. Il est passé, Johan Mir. Moi je vais faire attention à ce virage là. Pour un petit peu en difficulté ici. Allez, Joanir, il est passé, Joanir, il est en forme là. Rien à dire là-dessus. Il est passé, Johan. Et je vais tenter d'attaquer Zarco, moi, dès que je pourrai. Oh là. Et si j'arrive à passer Johan Zarco, il y aura
4 marques différentes aux 4 premières places. Bah, ça montre une belle homogénéité. Et voilà, et là ils accélèrent. Et là ils accélèrent, voilà, ça y est, donc je pense que ça y est, l'IA est rentrée dans son rythme là. Donc je vais pouvoir enfin attaquer. Allez, on y va sur Johan Zarco. Petit contact sur le français, on a la corde. Il faut pas qu'il tombe, hein, surtout Fabio, sinon c'est terminé pour lui. Ah, c'est vraiment pas mal, hein, le medium et le hard. Je suis agréablement surpris, juste comme je le disais, un tout petit peu de sous-virage, mais pour le reste, ça va. Ouais, j'étais un petit peu trop à l'extérieur, ouais. J'ai voulu revenir sur Johan Mir. Aïe aïe aïe. J'ai voulu revenir sur Johan Mir et là l'erreur, malheureusement. L'erreur, là c'est ma faute, hein. Là c'est ma faute. Alors ça m'arrange pas parce qu'en plus Mir a été vachement rapide et prêt à attaquer Quartararo. Totalement ma faute là-dessus. Et la direction de course, je vous laisserai juger dans les commentaires pour Valencia s'il y aura longue lap ou non. J'admets que c'est ma faute. J'étais un petit peu large, j'ai redressé trop tard. Et enfin, j'ai pas eu le temps du moins de redresser et on s'est touché avec Mir. Hop là, ouais. Ouais, ça m'a un peu déstabilisé cette histoire, bon c'est pas grave. Je sais qu'on peut largement revenir. Au freinage, on va revenir dans la roue d'Enea Bastianini à la bord du virage 1 et du virage 2. Bastianini qui cherche une ouverture aussi sur Jack Miller. Allez, on tente une attaque. Je relâche les freins. Ouais, j'ai trop relâché. J'ai trop relâché sur Enea Bastianini. J'ai tenté. C'est pas passé, un petit peu de temps de perdu là-dessus, c'est dommage. Attention parce que du coup là on est en train de perdre beaucoup de rythme et surtout beaucoup de terrain face à Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia. On va essayer de pas refaire la même cette fois-ci. Je suis à l'extérieur. Je reviens pas sur la trash à Bastianini. Ah, je suis vraiment, encore une fois, je le répète, hein, désolé, mais je suis agréablement surpris par le combo medium hard ici. Ça se comporte vraiment bien. Ça a freiné tôt pour les deux Ducati devant moi. Elles m'ont fait peur. Ouais, elles m'ont fait peur. Ah, je suis désolé, j'utilise le rewind là-dessus là. Mais oh, elles m'ont fait peur. Comment ça freine tôt pour l'IA. J'ai freiné un peu plus tôt aussi que mon point de freinage parce que j'ai pas envie de leur rentrer dedans. Et du coup, ça fait qu'on a déjà utilisé notre rewind. Et ça, c'est pas bon. Allez, on reste bien concentré. Allez, Quarta 59-1, 59-3 pour moi. Ah, c'est pas bon du tout, il va falloir mettre un petit coup de collier là. Allez, on y va, on a relâché. Tout petit contact avec Bestia, mais au moins on passe sur lui. Allez, là il faut vraiment qu'on attaque fort là. Faut qu'on prenne quelques risques. On n'a pas besoin d'en prendre énormément, mais au moins aller chercher une troisième place. J'ai dit dans le top 3, c'est ce qu'il faut. Allez, à la bord du virage 4, on a réussi à passer sur Jack. Et il est repassé, Miller. Le Gaulois. Moustache. Il a perdu un petit peu de terrain. Bastianini qui est repassé. La chute, mesdames et messieurs, de Fabio Quartararo. Oh oui, terrible. Terrible, il y a aussi... comment Alessrins qui est tombé.
Également Johan Zarco. Oh, c'est terminé peut-être pour Fabio. Alors là, le coup du sort. Fabio devait tout faire sauf tomber. Et il a craqué. Il était derrière Bagnaia, il trouvait pas la solution. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Il faut que je reste sur mes roues et je pourrais peut-être être champion du monde ici même à Sepang. Allez, on va se mettre un petit peu de power 2 là parce que faut qu'on reprenne du rythme. Hein. Faut qu'on reprenne du rythme, je peux aller chercher le podium, j'en suis certain. J'ai pu refreiner à mon point de freinage là vu que l'IA était plus loin. Allez, on va essayer d'aller chercher un gros tour là. C'est le moment. J'ai peut-être freiné un petit peu tard là. Je passe sur Bastiani, il va recroiser. Ouais, j'avais freiné un peu tard. Incroyable le comportement du hard arrière. Vraiment, ils ont corrigé ça hein, parce qu'au tout début, quand je l'ai sorti, même à la bêta, le hard était impraticable. Il était complètement buggé comme pneu et là, ils l'ont vraiment corrigé. Et il est impressionnant dans ces conditions-là. On a passé la mi-course et il a encore un grip phénoménal. Ah, il faut au moins que j'aille chercher le podium. Je m'attendais vraiment à aller gagner face à l'IA aujourd'hui, mais non. Bien plus rapide que moi là, Bagnaia. En tout cas, qu'on met moins d'erreurs. Ouais, on est encore arrivé un petit peu fort sur Bastianini. Ah, poil large. J'ai pas osé freiner sur l'angle. Ça revient. Ça revient, pourtant je me suis remis en power 2 et je pensais avoir plus de rythme, mais non, bah, les pneus commencent à s'user aussi. Même si on continue de garder du grip, on est 5ème pour le moment. Il faut qu'on continue d'y croire et d'espérer le podium qui pourrait vraiment sceller le destin de Quartararo sur cette saison. Pas loin de Jack Miller en soi. On est vraiment pas loin. Et on va peut-être même pouvoir attaquer Bastianini là sur les freins. Eh non, j'ai relâché au maximum hein, pourtant, mais c'est pas passé. Je suis même un petit peu large à la sortie. Allez, on est à l'avant-dernier tour. Dans la route Bestia. On cherche la solution. Ça y est, le grip commence à manquer un petit peu, on le ressent. Et une chute derrière moi. Allez, j'ai préparé ma sortie ici, mais je suis pas sûr que ça passe. Non. Non, je vais être trop large, je vais pas pouvoir attaquer à l'intérieur ici. Donc là on manque de grip donc c'est pas trop le moment de faire le dingue sur l'angle. Ah, on était bien là dans cet avant-dernier virage. On peut bien réattaquer, normalement ça devrait passer sur Bestia avec l'aspiration et la prise des freins, ça passe. Et là, Bastianini, il contre-attaquera pas, c'est bon. Et je ressors plutôt bien, on va aller chercher un bon tour normalement. On vient chercher le meilleur tour en course, 58-3.
Et on est dans le dernier tour, mesdames et messieurs. Ouais, je tente sur Miller. Il n'y a pas la place. Si c'est bon, c'est passé. Ayrton et Martin juste devant nous. C'est peut-être aujourd'hui, mesdames et messieurs, le titre. Même si on gagnera pas la course, on va peut-être, je dis bien peut-être, faire une deuxième place ou au moins un podium. Il est pas loin, hein. Lui, il le veut son podium aussi. Entouré de Ducati sur cette course. Alors qu'initialement, eh bien, il y avait 4 représentants. Et avec la chute des Suzuki et de Quartararo, eh bien, je suis tout seul. Me battre contre la marque italienne. Je pense que pour Martin c'est mort, hein. J'ai tenté, mais à moins d'un excellent dernier secteur, mais là avec les pneus comme ça et tout, non j'y crois pas vraiment. Quoique on a fait un bon dernier secteur, hein, vraiment, encore une fois, mais là avec la spi je l'ai pas. Pas totalement, du moins. Phase de freinage, ouais, la seule solution c'est qu'on ressorte vraiment beaucoup mieux que lui. Ah non, on ressortira pas beaucoup mieux, on est bien ressorti, mais pas beaucoup mieux, mesdames et messieurs. Je prépare la musique au cas où, parce que c'est peut-être le moment où je vais titrer, peut-être, je dis bien peut-être, oui. Mesdames et messieurs, c'est bon. Le titre de champion du monde MotoGP. On l'a fait! Malheureusement, on ne pourra pas gagner le titre constructeur. Oh, je la remets sur le podium. Mesdames et messieurs, comme traditionnellement, je vais vous laisser profiter de la cinématique de champion du monde. Ah, qu'on n'a pas eu. Il me semblait qu'on l'avait dès qu'on était titré, bah, ce sera la prochaine course alors. Ce sera la prochaine course et bah on profitera la prochaine course alors, mais ça y est, on l'a fait. Et oh, victoire! Victoire en moto 3 de Danma, il l'a fait aussi! Oh là là, mais quel week-end fabuleux! Danma, il l'a cherché, Kichi Danma! Il l'a cherché, ça c'est mon poulain! C'est mon poulain! Quatrième place de Domergue, le français, qui est vraiment pas mal aussi là-dessus. Oh là là, quel week-end, mesdames et messieurs, quel week-end de course. Et bien, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et on se retrouvera eh bien, lundi pour la dernière épreuve de cette saison MotoGP. Ça a été dingue. Et ça y est, officiellement, eh bien, nous sommes champions du monde avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires cette saison. Et 1, 2, 3, 4... Oh, bah, attends, mais il n'y a pas marqué directement les stats? Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 podiums et peut-être 12. On aura passé la moitié de la saison au moins sur le podium et peut-être 7 victoires. Non, c'est très bon. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous lundi 15h30. Prenez soin de vous et à tous.